Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous sommes aux Arcs 1600 afin de faire une journée dans la peau d'un skieur. Vas-y Hugo, faut se lever là. So what? Une fois qu'on s'est levé, on part direct au petit-déj. C'est vraiment primordial pour nous de faire le plein d'énergie avant une grosse journée, encore plus si les conditions sont mauvaises et que les températures sont froides. Une fois que notre sac et nos paires de ski sont prêtes, on part direction la station. Bon les gars, c'est parti pour une belle journée. On va monter quelques piquets en haut là et ça va être bien sympa. Il y a le poteau Hugo juste là. Allez, on se retrouve en haut. Une fois sur la piste, on commence direct avec l'échauffement. C'est très très important pour nous, et là vraiment, chacun a ses petites habitudes. Après, on va pas se mentir, certaines méthodes sont moins efficaces. Vous voyez de quoi je veux parler? Oui, ça là, oui. Bon, là par contre, faut que je vous explique. Vu qu'on s'entraîne avec des gars très très chauds en ski, souvent le matin, ils nous font une petite surprise pour s'excuser de nous mettre la misère sur les skis. Sympa quand même. Vas-y Hugo, régale-toi. Maxime, il y en a un pour toi. Après tout ça, on peut enfin aller skier. Et ça, c'est plutôt cool. Youhou ! Une fois qu'on est bien chaud et bien réveillé, on revient sur la piste pour faire la reconnaissance. L'idée ici, c'est de parcourir le slalom et de mémoriser le profil de la piste pour choisir les meilleures trajectoires. À partir de ce moment, on est vraiment chacun dans sa bulle et très concentré, parce qu'on sait que dans notre sport, une simple erreur peut coûter très cher. C'est pour ça aussi que souvent, on parle un peu tout seul. C'est aussi le moment où on vient prendre les bonnes informations chez les coachs par rapport à nos consignes individuelles. Une fois que la piste est prête, on part sur 2-3 heures d'entraînement où on va enchaîner les passages et essayer de faire le meilleur temps possible.
En fin de matinée, souvent vers 11h30, on descend au restaurant pour aller manger. Par contre, je vous assure qu'on mange pas tous les jours des hamburgers. Mais ce jour-là, on a vraiment eu de la chance. Ah merci, c'est trop bon. En général, on reste jamais très longtemps au restaurant pour skier le plus rapidement possible. À partir de 13h, on entame un nouveau bloc d'entraînement, environ 2-3 heures. Mais pour être honnête avec vous, après avoir bien mangé, c'est pas toujours facile de se remettre dedans. Top, le terrain en haut pas vraiment top quoi, mais en bas c'était top, enfin, tout top, génial quoi, top, les gars top, les meufs top, tout top. T'as vu ce temps putain? Nickel. En fin d'après-midi, on rentre à l'hôtel, mais la journée n'est pas encore finie, loin de là. Une fois dans les chambres, on arrive dans ma période préférée. On peut enfin se poser un petit peu et en général, on commence toujours par ranger nos affaires. Mais c'est pas forcément là où on est les meilleurs. Enfin, vous avez compris. Ensuite, on va à la douche, si besoin, on travaille un petit peu ou alors on se repose. On est rentré du ski, on a l'auberge et on va faire un peu de récup active avec Noé. Regardez ce beau gosse. Après la douche et les étirements, on part souvent faire nos skis. Chaque soir, on passe environ une demi-heure à les entretenir et à les affûter pour avoir des skis qui accrochent et qui glissent mieux le lendemain. Le soir, on retrouve nos entraîneurs pour une séance d'analyse vidéo. La vidéo, ça fait vraiment partie de toutes ces petites choses inévitables qui nous permettent de progresser en ski. Grégoire, tu fais quoi? Je peux pas avoir les mains en l'air comme lui. Pendant que vous taffez dur, moi je suis au ski. Te pose pas de questions. Grégoire, il fait. Je vais faire un petit enregistrement. Il va te voir qu'un se passer là. Ouais. Hugo, fin de journée ou quoi? Ouais, aujourd'hui c'était une journée d'enfer, mon gars. je peux te dire, je le sens dans les cuisses.